Salut à tous. 4600 mètres d'altitude. Derrière nous, vous avez le volcan le plus haut du monde. Et on a du mal à respirer. Dans cette vidéo, mécanique. Que mécanique, tout sur la pompe à injection. Et pas que. Et pas que, vous allez voir, il y avait une fissure. Je croyais que c'était une fissure, pas une fissure. Enfin, vous allez voir dans la vidéo. Le dissicateur d'air aussi. Je remercie encore Jeff à m'avoir renseigné pas mal de choses là. Pour ceux qui aiment la mécanique, bah bonne vidéo. Ouais, bonne vidéo chez Diesel Rema. D'ailleurs, on vous l'a pas dit, mais Diesel Rema, le papa, Eduardo, c'est le père de Tati Mercado, pour ceux qui connaissent, qui court en MotoGP. Donc bonne vidéo et à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, ce matin arrivé à 7h au garage. Je viens seulement de rentrer le camion et il est 8h10. Argentine. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà démonté les deux plaques. Je vais noter tous les tuyaux de gasoil. Et ensuite, je démonte tous les tuyaux de gasoil et les supports de pompe. Bon, ça y est, j'ai enlevé tous les tuyaux de gasoil. Une vraie araignée. Il y en a partout. Les entrées d'huile, les sorties d'huile. Là, je vais aller boire un petit café. Tranquille. Mais ça y est, en plus, j'ai mal au genou. Parce que il faudrait que je mette un petit tapis ici. Là, ça fait mal au genou. J'ai des genoux en alu. Bon, et puis pourquoi je le fais moi-même? Déjà, bah, ça va coûter moins cher. Et il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de démonter. Par contre, je lui ai dit, file-moi un coup de main à remonter pour le calage. Et là il n'y a rien, enfin c'est facile à démonter, c'est facile à remonter. Après le calage, il faut être un peu plus spécialiste, même si on va marquer le point, il faut quand même prendre des précautions. Bon, vous allez dire que c'est du chichi, je vais vous montrer une fois que la pompe elle est sortie, vraiment où est la fuite, mais je préfère. J'aime pas quand il y a un truc qui transpire comme ça, qui est coincé dans le moteur. Ça serait, je sais pas, une connerie par là, là. Bon bah c'est pas très grave, tu t'arrêtes plus tard, tu le fais tranquille. Là c'est quand même un gros boulot, pour pas grand chose, je suis d'accord. Je vous montrerai après, je vais prendre mon petit café d'abord, qui est servi. Il est touillé Marie? Et ta couleur. Bon, là je vais vous montrer le deuxième boulot qu'il y a à faire. Tant qu'à faire j'en profite, parce que pour ceux qui connaissent les vidéos, on est chez un gros rectifieur de moteur en même temps. Et là j'ai deux fissures, en fait je sais pas si vous vous rappelez, j'avais changé le joint, bon, je vous l'ai redit la dernière fois je crois, et j'ai changé le joint d'ici, j'ai changé le joint torique d'ici, et en fait ça coulait encore, et je me suis aperçu qu'il y avait deux fissures là. Ah, vous les verrez mieux tout à l'heure. Bon, par contre il faut qu'on sorte, putain ça sortait quasiment, il faut qu'on sorte les ressorts et l'éclipse de soupape, ça passe pas, il manque pas grand chose. Bon, on va voir la fuite qu'elle avait. Ah, la fuite. La transpiration. Attends, c'est de l'autre côté. Ah ouais, mais maintenant, il y en a partout, en fait. Donc, vous verrez rien. Allez, un petit peu ici, un petit peu de gras, là. Ça, c'est parce qu'on l'a bougé. Mais j'avais resserré cette vis, là, à morterose. Et en fait, on voit ici que ça transpire, là. Donc voilà, voilà pourquoi tout ce boulot à démonter pour changer le joint. Bon, donc à faire, du coup, il change ce joint là, il change ça, et il change ce joint là aussi, il change tout du coup. Bon voilà, vous l'avez vu, la pompe est démontée, ça y est. Là, je vais voir, je vais peut-être changer ce petit joint là. Il n'y a pas de pression, c'est juste une descente. Quoique il déborde un peu, je sais pas, je vais voir, peut-être le changer si j'en ai un. Ensuite, la pompe est bien marquée, tout est démonté. Là, j'ai pas pu enlever parce qu'elle est
les descentes là, je sais pas si vous allez voir, j'essaie de filmer au mur. Les descentes qui sont là, là, en fait, elles viennent taper dans le radiateur d'huile. Donc j'étais obligé d'enlever le radiateur d'huile, lever le radiateur d'huile pour sortir les petites cannelettes là. Voilà. Voilà une. Pourquoi elle sort pas? Voilà. Et la deuxième. Voilà. La deuxième. Et là, normalement, là, ça sort. Voilà. Il y a un petit peu de merde là dedans. On va nettoyer ça. Propre. Pourquoi il y a... Ah si, il y a un joint, d'accord, ici. N'hésite pas que j'ai démonté ça pour rien quand même. Là, il n'y a rien. J'ose pas. Bon, je vais essayer de sortir le joint doucement. Bon, allez, dans un premier temps, je vais dégraisser ça. Mais finalement, c'est peut-être pas les fissures qui merdent. C'est peut-être juste le joint qui est là. Il faut que j'arrive à enlever le joint proprement pour pouvoir voir en dessous comment c'est foutu. Parce qu'en plus, je sais pas s'ils ont la pièce ici chez Dutz. S'il faut la commander, bordel. Je suis en train de me demander si j'ai pas démonté tout ça pour rien en fait. Enfin, quoique. Si, ici ça perdait un peu d'huile, mais. Finalement, est-ce que c'était grave? Voilà. Ah, c'est un joint métallique. Ouais, alors le plus important, il est ici. Donc en fait, c'était sûrement juste le joint. Bon, finalement, non, on n'a pas démonté pour rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais voir avec. Si je trouve le joint, ça serait mieux. Mais en fait, les deux fissures qui sont là. Bon, allez, on va enlever le reste de joint. Bon, bah, ça m'a l'air pas mal. Petit coup de nettoyage à la fontaine. Bon, voilà, là, du coup, tout est démonté. Tout. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais là, il dit que. Ahora no serve. Non, c'est loin. Voilà, basura. C'est vrai que voilà. Il a dit qu'il faut la foutre en l'air. Ouais. Je savais qu'un jour, il y en a un qui s'accrocherait à ce tuyau. J'en étais sûr qu'un jour ça allait arriver. Il m'a flingué le joint. Putain. Ah, là, 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 là. C'est vrai que c'est pas évident de monter dans le capot, mais. Le joint, il est mort. Heureusement que je suis prévoyant. J'en avais un de rechange. Bon, je suis en train de changer ça. Par contre, j'ai vraiment pas envie de purger les freins. Donc, je vais manier à changer ça, qu'il n'y ait pas trop d'air qui rentre là-dedans. Et on va voir ce qu'on va faire. Bon, voilà, j'ai changé le tuyau. J'avais le tuyau. En fait, j'ai ce joint et ce tuyau depuis 5 ans et demi. Parce que ce joint-là, il fuyait déjà en France. Regardez, il est tout craquelé. Je pense que c'est tout le temps que le camion il est resté arrêté. Bon, ben voilà, il aura fallu 5 ans et demi pour changer le joint. C'est fait. Je vais quand même en recommander parce que c'est vrai que ça fait penser un peu à une poignée ce truc. C'est un peu mal foutu. Bon, c'est pas de sa faute. Hein. Mais bon, heureusement que j'avais la pièce parce que pour trouver ce petit joint ici, un peu spécial, je sais pas si j'aurais un peu galéré à mon avis. Hein. Donc allez, je repasse commande. Ensuite, ce petit joint, ça c'est la redescente d'huile de la pompe à injection. Si je l'ai, je le change. Parce que celui-là, il est inaccessible. Et j'aime bien changer les joints à chaque fois que je démonte un truc quand je les ai. Bon, bah, je pense que j'ai trouvé mon petit joint. Je vais aller essayer. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hop, nickel. Bon, bah, voilà, un joint neuf. Ça, c'est fait. Allez, maintenant, nettoyage de toutes les feuilles. Le temps que la pompe se fasse recoller. Bon, allez, moi, j'ai nettoyé le support, le plan de joint, là. C'est propre. Marie, toi, tu es toujours de corvée de l'intérieur. Nettoyage, toujours. Intérieur. Et tu as les petites mains, tu as la petite presselle. En plus, regarde, tes mains bien grasses, ça va te lubrifier la peau, ça, mon cœur. Ouais, super. C'est bien, non? Ouais, je suis pas mal, là. Il me reste pas grand-chose à enlever. En fait, elle enlève toutes les feuilles que je vous ai montrées tout à l'heure, là. Ah, là, il y a une mouche morte. Ah, une mouche. La mouche peut être importante, hein. Bon, on va aller voir ce qu'ils font, là-bas. Voilà la pompe. Donc ça, je pense que c'est des espèces de cales pour pas que ça bouge.
Et voilà, il m'a démonté même ce côté-là pour pouvoir changer le joint. En même temps, qu'il fasse un contrôle. Hein. Bon, on va pas la repasser au vent non plus et machin, mais... Putain, ça bouge là. Ah bah oui, il n'y a plus le guide. Le premier morceau est là, d'où je supposais la fuite, quoi. Ce joint-là, peut-être. Et l'autre morceau... Là, il est dans le bac à ultrasons, je pense. En tout cas, il y a de la pompe partout. Pour ceux qui suivent la vidéo, vous pouvez retrouver la vidéo complète quand on a fait le réglage de la pompe au banc. Et on lui a remis un peu plus de pêche. Là, c'est tout ce qui est injecteur pompe, tout injecteur électronique, tout ça. Bon, allez, on laisse le camion là, on part chercher un joint. Regardez, depuis 2021, l'autocollant est toujours là. Il y a bien en Argentine, tu te balades et puis il y a un moteur dans la rue. 6 cylindres, je pense. C'est un Iveco. Il est costaud. Hein. Bon, j'ai été chercher du Doc 4 parce que du coup il m'avait pété le tuyau et j'en avais plus assez. Bon, le problème c'est que il n'y a pas le joint ici à Jésus Maria. Donc il est en train de téléphoner voir s'il peut en trouver un. Moi j'ai téléphoné de mon côté à Buenos Aires. Buenos Aires il en a, il peut nous l'envoyer. Et j'ai appelé à Morteros, il peut l'avoir pour demain. Maintenant c'est à 300 km d'ici. Je lui ai demandé combien de temps, en combien de temps il pouvait nous livrer ici à Jésus Maria. Mais en tout cas voilà, ça va se résoudre avec du temps. Ça y est, la pompe elle est finie. Ils nous ont fait le joint ici, les deux joints là, des capsules là. Donc bah maintenant tous les petits joints un peu neufs là, et plus qu'à la remonter. C'est quand même un sacré boulot parce que c'est que de la petite pièce de partout là. Depuis tout à l'heure je le regarde démonter la petite pompe qui est là là. Pompe à injection 4 cylindres d'un tracteur. Que des petits morceaux depuis tout à l'heure. Et n'empêche, ça doit tourner parce qu'il a embauché 5 personnes de plus. Bon, c'est un truc de fou. Mais ce boulot minutieux et tout, franchement, ça, j'adore. Bon, là, c'est déjà un peu moins minutieux. Tous les joints, toutes les pièces de rechange, tout en stock. Là-bas, les, comme je vous ai dit tout à l'heure, les injecteurs, pompes là. Là pareil, il y a des injecteurs là qui sont démontés là. Là c'est là qu'on avait testé les injecteurs du camion, là c'est là qu'il doit les tester toujours dans tous les cas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les plaques de refroidissement des cylindres, ici. Marie va vous montrer là-haut, parce que pourquoi? Parce que bon, on a beaucoup plus de place. Vu qu'il n'y a plus la pompe à injection, on en profite pour faire ça, les gars sont partis. Le joint normalement c'est bon, je l'ai trouvé à Morteros. De Morteros, ils nous l'envoient à Cordoba Capital. J'attends la réponse demain. Ils n'ont pas le prix parce qu'on est en Argentine et le prix change de jour en jour. Donc j'aurai le prix demain. De toute façon, il me le faut. Du coup, ils l'envoient à Cordoba Capital. De Cordoba Capital, en bus. Ici, ils vont envoyer un mec chercher le joint à Cordoba Capital et le ramener ici pour pouvoir remonter avec un joint neuf. Tout ça. Du coup, la fissure, on fait rien. On touche à rien puisqu'elle ne traverse pas. Bah alors ici il y a plein de feuilles. Du coup l'idée c'est de nettoyer entre les cylindres. Alors j'ai déjà fait mais il en reste en fait qui se glissent des feuilles qui pourrissent là. Du coup là je glisse un peu ma pince là pour essayer de chasser les feuilles. Et je me sers aussi de la petite pince quand je vois vraiment une feuille accessible. Et ben je l'attrape, j'enlève. Là on voit c'est un peu... la saleté, mais là il y a presque plus rien maintenant. Mais chaque fois qu'on enlève les petites tiges comme celle-ci là, il y en a deux à chaque fois entre chaque cylindre en haut et en bas, et ben ça libère les feuilles parce qu'il y a une plaque de l'autre côté qui bloque tout. Ouais, ce qui est bien chez Diesel Rema, t'es comme à la maison quoi. Hein. Ouais, j'ai envie de dire un peu partout. Hey, Chopper, un peu partout comme en Argentine. Ah si, on peut commander des sushis, t'as raison. Et en plus d'être comme à la maison. Hop, on fait le plein d'eau, impeccable. Bon, il est 8h30, ça fait 1h30 que les gars sont déjà arrivés. J'ai pas mis de réveil, mais bon. Allez, on va aller voir ça. Puis on va attaquer quand même. Pour mettre cette pompe aujourd'hui, que je puisse remonter tous les tuyaux et tout là. Et ensuite, j'attends la réponse pour le joint. Bon, allez, on prend la pompe. Quel camion. Un canito,
joya, la miseria, calambra la joya. Hace las cosas bien que le da grabando el chango, ¿eh? Sí. Hace las cosas bien. No, no se hace bien. ¡Ay, cojito! No, no digas más para, no habita grabando. El colega se le da un poquito. Ahí está. ¿Sale? Sí, y eso más arriba. La primera vez es un poco duro. ¿Es así? Es así. Sí, sí. Después ya no. Después entra bien. Después va sola. Sí. ¿Tiene todo? ¿Húmelo? Sí. Ese sí. De abajo ahí. Es el único más corto. Sí. Bueno, ese estaba abajo de aquel lado. Estos tres son tres iguales. Ah, pero sí, se mueve un poco. No, es porque está flojo el goma. Ah, sí, sí. Okay. Se está moviendo el cuerpo. Una vez que apriete el cuerpo no se mueve más. Por eso te digo que no hay forma. Lo único que hay que marcar es para ver que no le dé media vuelta al revés. Pero otra cosa no se mueve. La colladera del punto la tiene acá. Sí. Acá podemos avanzar, atrasar. Acá no, acá es fijo. Acá tiene luz. Exacto, ahí tiene colladera. Sí. Ya después no vuelve más a Argentina. Sí, vive acá, sí. Me gustó vivir en Argentina, después del viaje. Ah, ¿te gustó estar acá en Argentina? Sí. La provincia de Córdoba era mejor. Lejos. Lejos. Villa General Belgrano, me gustó, la sierra. Hermoso. Sí. Bon, maintenant, je vais m'amuser à remettre tout ça. La pompe, c'est fait, juin 9. C'était une broutille, mais j'ai préféré le faire. C'est beaucoup de boulot, mais quand t'aimes ça, bah, on va dire tu comptes pas parce que je sais pas combien ça va coûter, mais tu comptes pas tes heures de manœuvre à démonter, quoi. Et puis après, bah, c'est surtout que t'es tranquille, quoi. Donc voilà. Maintenant, je remonte tous les tuyaux, tout le puzzle en fait, et puis je vous montre ça après. Alors, il faut pas se planter parce que il y en a qui passent au-dessus, il y en a qui passent en dessous. Donc faut bien faire gaffe où tout va, parce que sinon c'est un coup à tout redémonter et à tout recommencer. Donc celui-là il sert à rien, après je les accroche au tuyau. Là déjà on peut remettre, non, j'allais dire on peut remettre celui-là mais je pense pas. Celui-là je le mettrai en dernier. Parce que je vais commencer à remettre celui-là qui ne me gêne pas. Donc on va supposer que c'est du 14. Et oui, c'est du 14. Ceux-là, je ne les avais pas décrochés. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc ça, ça doit être le 7. 1, 2, 3, 4, 5. Non, le 6. Ok, un petit coup de soufflette. Là-bas, parce qu'hier on a nettoyé qu'il n'y ait pas de la merde dedans, quoi. Ah, par contre, il doit aller du coup en dessous. C'est un vrai puzzle en fait. Le truc, il doit aller en dessous, c'est-à-dire qu'il faut enlever ça, passer ça, remettre ça. Pour ça, faut bien réfléchir, pas se précipiter. Celui-là, il doit venir un peu par là. Voilà, pour qu'il tombe ici. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Et le côté là-bas, il est fait. Il me reste tous les colliers à mettre, les brides. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a le numéro, je dirais 3. On voit plus trop les marques là. Et du coup, je dirais 3. Donc, 1, 2, 3. Ça y est, tout est monté. Maintenant, verrouillage. À la clé dynamométrique. En attendant le joint de Morteros, au moins, ça c'est fait. Il y a un peu de boulot quand même. Mais, ça se fait bien.
Regardez ce qui fait perdre du temps. Cette vis qui tient la bride qui est la rouge, le boulon, je peux pas le mettre, il faut que j'enlève ce tuyau. C'est ça qui est chiant en fait. C'est perdre du temps avec des merdes. Perdre du temps. Non, c'est chiant quoi, surtout. C'est juste ça qui est un peu relou quoi. Tour démonté. Tout est bien serré, machin. Ça. C'est pas facile de vous filmer un peu tout ça. D'une main, voilà, ça c'est sorti. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon petit truc. Moi, j'ai besoin de mes deux mains là. J'en peux plus. Il fait une chaleur. Je sais pas si ça se voit sur mon visage. J'en peux plus. Je vais crever là-dedans. Je suis trempé. Bon, ça y est, ça se termine. J'ai mis une heure à remettre celle-là, là. Putain, tomber en face et tout. Oh, il y a un petit joint que Marie, elle est en train de mettre, là. Une petite protection de tuyau. Moi, je démonte ça. Tout le dessicateur. Donc, je remercie Jeff, qui s'est fait chier à chercher les docks, les vues éclatées et tout. Franchement, merci à toi. Et du coup, en voyant la vue éclatée, je me suis aperçu qu'ici, ça se démontait. Et que le clapet de décharge, en fait, c'était peut-être celui-là, en vrai. Peut-être, j'en sais rien. Là, on a une espèce de piston, un petit clapet, deux rondelles, un ressort. Et ça, c'est la pièce que je démonte régulièrement. D'ailleurs, j'ai changé tous les joints. J'ai écouté vos conseils, j'ai viré le WD-40 et je suis passé à la... comment ça s'appelle ? Au lubrifiant silicone de la marque WD-40 aussi. Mais c'est pareil, ça marche 3 jours, après ça marche plus. Donc est-ce que le problème est pas sur celle-là? Je vais bien la nettoyer. Je vais aller voir un pote là qui a des pièces comme ça. Je vais déjà changer les joints toriques, ceux-là, voir ce que ça donne. Et il a une graisse silicone apparemment spéciale. Donc je vais badigeonner ces deux pièces là et on va voir ce que ça donne. Je vais démonter aussi, j'attends que ça fuit plus là. Le régulateur de pression, je le vire aussi, je vais tout nettoyer. Ça y est, je l'ai tout dépouillé. Hein. Donc là, je peux pas faire mieux. Hein. Bon, allez, je pars avec tout ça, voir ce qu'il a. Bon, ça y est. Donc ça, j'avais changé tous les joints, je vais le remonter comme ça. Ça, il m'en a donné un, au cas où. Si un jour j'ai besoin, j'ai un autre régulateur de pression. Donc ça, c'est cool. Et j'ai changé les joints de cette pièce là, donc ça c'est bon aussi. Maintenant il va falloir savoir comment le remonter, hein. Ça c'est autre chose, ça doit venir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on est pas mal, hein. Comme ça et comme ça, joint neuf. Et du coup il m'a filé de la graisse silicone exprès pour les freins, donc c'est vendu avec les kits de valve, donc ça c'est vraiment fait pour. Bon, le plus chiant c'est que j'ai perdu le petit joint torique qui est ici et je vais pas rechercher un neuf, donc je vais mettre l'ancien que j'ai dû garder quelque part. Bon, j'ai retrouvé l'ancien, il m'a dit qu'au bout de la roue ils en vendaient, donc je vais aller voir au cas où. Si je peux remettre un neuf, c'est mieux. Bon, j'ai été chercher un joint, du coup c'est bon, et en même temps je me suis me chercher des petites douceurs. Bien encore. Je goûte, je bois un petit coup et ensuite je remonte tout ça. Bon, on va déjà commencer par cette pièce là que je connais bien du coup. C'est le bordel, il y a plein de gravier par terre, tout un tas de trucs. Donc vous voyez du coup, j'écoute vos conseils. Hein. Graisse, silicone, un peu partout. Ça aurait été mieux à faire ça sur l'établi là-haut, mais bon. Ah, et là, j'y crois pas. Il était là le petit joint. Il était collé. Ensuite, là-dedans, petit coup de soufflette. On va faire ça assez loin quand même. J'ai deux tubes de graisse. Donc on va foutre un peu là-dessus, ça va le protéger. Parce qu'il y a des endroits, il est un peu oxydé, je sais pas si vous voyez. Il y a des traces d'oxydation. Ou une espèce de... comme une peinture qui aurait gonflé dessus un peu. On va dire que ça va le protéger peut-être un petit peu. On va mettre de la graisse là-dessus. En tout cas, merci pour vos conseils.
Et pour la pièce en céramique, alors j'ai pas ton nom en tête là, mais t'as dit que c'était une résistance. Donc du coup j'élimine cette pièce là parce que si c'est une résistance, le problème vient pas de là quoi. Enfin le problème, c'est un vrai faux problème. Hein. C'est un peu comme la pompe à injection qu'on a sortie. C'est un vrai faux problème quoi. Mais ouais, j'aime bien quand tout marche bien quoi. Maintenant, il y a des gens qui feraient rien, qui laisseraient comme ça quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon, je suis pas comme ça. Des fois c'est un peu chiant du coup, mais. Ouais, je sais pas si j'en mets trop ou pas, mais je badigeonne un peu. Et en fait j'ai cette pièce là qui coulisse mal quoi, je trouve. Il faudrait presque que j'arrive à glisser de la graisse derrière. Que ça vienne l'aspirer. Bon, déjà un de remonter. Maintenant on va remonter ça. Pareil, je vais mettre un petit peu de graisse. Ça c'est le régulateur de pression. C'est un espèce de plastique caoutchouc là. Plutôt caoutchouc. Là, j'ai pas intérêt à mettre la main par terre parce que là je reste accroché à tous les graviers. Hein. Faut contrôler que j'ai bien mis là. Ouais. Et en plus avec la graisse c'est bien parce que du coup la pièce ça tient. Ça se casse pas la tronche. Heureusement qu'il n'y a pas de vent. Hein. Parce que là, la poussière, ça aurait été la galère. Ben, en fait, vous me gênez là. Bon, je serre ça de toute façon. Allez, la dernière pièce que j'avais jamais démontée. Pareil, je vais la passer à la graisse. Et ensuite, je la remonte. Je la remonte là-dedans. Je remets le clips. Et terminé. Hein. On attend le joint maintenant. Bon, j'ai enlevé le support de cale. Je me suis fait chier avec le support de cale. Et puis, j'enlève que maintenant. Je voulais changer les filtres tant qu'à faire. Parce que j'en avais acheté. J'ai cassé la clé à filtre. Donc tout est fermé à ce moment-là. Faut que j'attende demain. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une fontaine dégraissante ici. Donc je vais dégraisser le petit tamis à l'intérieur du truc là. Je vais vous montrer. Je vais l'ouvrir. On va en profiter. On a que ça à faire. Et puis il y a les machines qu'il faut. Voilà. Et là, on déroule. Ouais, je vais nettoyer ça à la fontaine. Bon, ça y est, c'est tout propre. Il n'y a plus qu'à enrouler de nouveau et à remettre dans la petite boîte. Wapco. Bon, ça y est, c'est roulé. C'est propre. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, ça. Un silencieux, je dirais, peut-être. Parce que de toute façon, on n'aspire pas de l'air, on souffle de l'air. Donc, je sais pas. Si vous savez. Moi, je dirais un silencieux, je vois que ça. Je vois pas à quoi ça peut servir sinon. Ok, parfait. On peut le remonter. Bon, bah, vu que j'ai le temps et que je peux pas démonter les filtres, j'ai démonté une électrovanne qui est ici, là. Mais bon, ça m'apporte rien. J'ai ouvert ici et c'est tout. Tout étanchéifié. J'ai graissé un petit peu l'axe. J'ai démonté les petits tuyaux là. Mais il n'y a rien de bouché. Donc je le remets. Bon, vous avez été où cet après-midi? Au cinéma. Pendant que je transpirais dans le capot moteur. Vous avez été voir quoi? Willy Wonka. Non, ça s'appelle comment? Wonka. Ça s'appelle pas la chocolaterie? Non, ça s'appelle Charlie la chocolaterie. Non, il n'y a pas Charlie dans le livre. Ah, ok. Et là, on s'est fait quoi? Sushi World. Les sushis de Jésus Maria, les sushis. On vous montre les beaux sushis. En tout cas, il y a des belles boîtes. Elles sont plastifiées en plus. Et pétaculaire. Bon, les, voilà. Les nems, enfin les flots nems, c'est bon. Petit sushi, il fait 32 degrés. Il fait super chaud. Et 23h. Il est 23h, c'est ça. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon, on a été acheter des cadeaux de Noël. Et on a enfermé le garage. Ah, ça y est. Il y a nos enfants qui viennent nous ouvrir. Le reste de nos enfants. C'est la clé marquée Bremen. Ah, ok. Soulève maintenant. Vas-y. Ok. Gracias, mi amor. Alors, vous avez été sages? Et on les a laissés. Ah, vous jouez au Milwaukee? Milwaukee. Combien de temps on les a laissés? 2h30, on les a laissés tout seuls au garage, le tio père.
Qu'est-ce que vous avez fait tout le temps qu'on était parti? Qui c'est qui gagne? Ah non, 158, Alex. Bon voilà, ils ont joué là, tranquille, au garage. Bon, ce matin, j'ai été essayer de chercher une clé à filtre. Impossible à trouver une clé à filtre de 140 mm pour les dissicateurs. On a vu un gars, peut-être qu'il va nous en ramener une ou peut-être qu'il va nous en fabriquer une, je sais pas. Bon, en attendant, je me suis dit, je vais percer le filtre. Et puis le tourner au tournevis. En fait, regardez, c'est plein de billes absorbantes. Donc, je vais éviter de le massacrer parce que si on commence à avoir des billes qui tombent dans le système, c'est pas la peine. Donc, j'ai essayé de le matraquer ici au burin, impossible à sortir. Donc, je vais attendre. Je vais attendre, on va bien trouver. Sinon, j'irai voir les garages et puis trouver un mec qui m'en prête une. Ça, il y aura sûrement possibilité, quoi. Bon, bah, en tout cas, on a mangé tranquillou ici dans le garage. On va boire le petit café. Et puis j'attends d'organiser le voyage là pour le joint de Morterose, quoi. J'attends des réponses. Rien ne me résiste. Si, celui-là, il résiste. Moi, j'ai quand même flingué ma sangle. Hein. Non, mais sans rire. Quel est le con qui a serré ça? Je me suis bricolé un truc avec le reste de l'ancienne clé, là. Celui-là, j'arrive pas. Hein. Putain, je les ai serrés à la main. Hein. Bon, je viens de voir que les petites billes, si je lui pète la tronche, elles peuvent pas aller dans le dessicateur. Donc, je vais lui péter sa tronche. Pas besoin de clé à filtre, la XTG Family. Pas besoin de clé à filtre. Oh, j'ai percé. J'ai mis une clé à de l'autre côté. Comme ça, je peux faire levier des deux côtés. Voilà. En train de la finir, la sangle, là. Allez. Enfin. Je les ai eus. Comment on ferait en plein désert, hein? Au milieu de nulle part, hein? Et eh ben on ferait comme ça. Putain, j'ai chaud, ça y est. Allez, petit café. Petit café de réconfort. J'ai réussi, bébé. Félicitations. Sans te blesser? Ouais, je crois que ça va. Allez, café. Regardez du coup ce qu'il y a dedans. Plein de petites billes absorbantes. Bon, en tout cas, personne n'a été capable de me dire si cette référence-là a filtré l'eau et l'huile. Ah, j'ai pas trouvé, j'ai nulle part. Et vous non plus, sur une ancienne vidéo, vous m'avez pas dit. Mais on trouve aucune info sur Manfilter, c'est un peu con. Alors que les WAPCO que je vais mettre là, qu'on a du mal à trouver d'ailleurs ici. Enfin, du mal. Si on veut vraiment mettre ceux-là. Hein. Parce que sinon, on trouve les Manfilter partout. Voilà, ils filtrent l'eau et ils filtrent l'huile. Celui-là est pas mal, cette référence-là. Là. En plus, il est donné pour 2 ans. 432, 901, 223, 2. Donc voilà, je vais mettre cela maintenant. Mais avant, je vais démonter. Vu que je démonte tout pour l'instant, qu'on a le temps. Là, je sais pas si vous voyez quelque chose. Si, non. Il y a un petit clips ici. Donc je vais démonter ça pour voir comment c'est foutu à l'intérieur, s'il y a des joints à changer ou pas. Bah toujours pareil, hein, je remercie Jeff qui m'a envoyé la vue éclatée, quoi. Je suis en train de la chercher là. Donc, on serait là-dessus. Le joint du filtre, qui est donné à chaque fois avec un joint clips. L'espèce de bordel en 19, là. Sûrement deux joints toriques, ou une rondelle et un torique. Là, on a l'espèce de valvula, comme on dit en français. Voilà, l'espèce de bordel, quoi. Un ressort et un espèce de tamis, je sais pas trop. Donc, je vais démonter cette partie-là, voir la gueule que ça a. Graisser avec la graisse exprès, là. Et après, je pense qu'on aura fait le tour. Hein. Ça, je l'ai tout démonté, graissé, changé les joints. Ça, je l'ai tout démonté, graissé, changé les joints. Ici, du coup, vous m'aviez dit que c'était une résistance. Donc, il n'y a rien, c'est propre. Voilà. Par contre, là, je ne sais pas ce qu'on a. Faut que je regarde. Ah ouais, ça, c'est... Non, bah là, je ne démonte pas parce que c'est les entrées-sorties en tuyau rigide. Donc, je ne vais pas m'emmerder à démonter ça. Ça, c'est fait. Donc, j'aurais fait... ouais, j'aurais fait le tour, quoi. Ça, j'ai démonté, il n'y a rien. C'est une électrovanne avec un petit bout de tuyau d'air. Donc ça, le régulateur de pression, j'ai fait, j'ai démonté, j'ai nettoyé. Il n'y avait pas de joint à changer, rien. Ah, là, on la voit là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas la légende en fait. Je ne sais pas à quoi correspond le numéro 65. C'est ça, vous m'avez dit que c'était une résistance apparemment pour le gel.
Et par contre là j'ai aussi tout un tas de bordel. Ah, il nous parle de la graisse ici je pense. La graisse spéciale. Allez, ça me démange et puis de toute façon j'ai rien à faire donc je vais le découper. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, je l'ai découpé. On va toujours mettre des lunettes parce que c'est en faisant des conneries comme ça qu'on se blesse. Que de la bille. Et ouais. Ouais, ça va faire du bien, ça va absorber toute l'huile qu'il y a par terre ici. Ah putain. Je pensais que c'était un... Ah si, il y a du papier au fond là. Ouais, il y a juste une feuille en fait. Hein. Si vous voyez, on voit rien. Bon voilà, comme ça, vous savez comment est un dessicateur. Ça vous sert à rien, moi non plus, mais c'est bien de savoir ce qu'il y a là-dedans en fait. Là, il y a une espèce de mousse là, du coup aussi. Regardez, je sais pas pourquoi il y a des granulométries différentes. Est-ce que c'est celles qui ont absorbé de l'humidité ou est-ce qu'il y a un mix comme ça dans le filtre? Pourquoi il y aurait un mix de, je sais pas, d'une autre matière ou quoi? Si vous savez, on dirait une espèce de céramique, de la pierre en tous les cas. On va faire une expérience. Alors commencez pas à me dire, t'as laissé tes merdes par terre. Hein. Ok. Ça va absorber, ça va. Il a dit. Ouais, ça va absorber. Finalement, on fait de la décontamination de sol. Ça change pas de notre boulot en fait en France. Alors qu'est-ce que ça a donné avec la flotte? Moi, je crois pas trop que ça enfle avec de l'eau. Je sais pas. On dirait des billes d'argile ou des billes de céramique. On va voir, il y en a déjà des grosses. Et des petites. On va laisser ça. On laisse ça comme ça, ouais. Voir ce que ça donne. Mais je pense pas, non. Parce que sinon, ça veut dire que t'as acheté des fils qui étaient neufs. Parce que qu'il y a quasiment pas de grosses billes. Ouais. Ils avaient 8 mois. Bon, on va voir. On vous remontre ça après. Bon, j'ai enlevé le petit cerclips. Non, je voudrais pas flinguer ce truc-là, là. Essayer de pas l'abîmer. Non, ça va. Alors. Comment que c'est foutu là-dedans? On a ce truc-là. Qui est un peu dégueulasse, pas trop. Là, on a un joint torique. Là, on a un ressort qui rentre là-dedans, du coup. Et là, on a un joint torique. Ok. Et après, c'est bien comme sur le plan, on a ça. Voilà. Un petit coup de nettoyage là-dedans, un petit coup de chiffon, joint neuf et de la graisse, et c'est reparti. Et ensuite, je fais pareil pour le deuxième. Bon, ça y est, j'ai été chercher les joints en face, là. 70 centimes de joint, impeccable. Ça, c'est quand même pas mal rouillé, donc je vais... Par contre, ça m'a l'air très fragile, donc je vais lui mettre un petit coup de brosse rapide. Et puis un bon coup de nettoyage. Bon, la machine, c'est trop violent, du coup, je le fais au papier de verre, délicatement. Histoire d'enlever un petit peu la rouille qu'il y a dessus, quoi. Opération chirurgicale. Tac, tac, on enlève celui-là. Ok, les vieux joints, on les met là, on va les garder au cas où. Et on passe au nettoyage. Celui-là est un peu plus propre, donc ça doit être le deuxième. Nettoie bien les petits trous là. Parce que là, il y a un passage d'air. Enfin, il y a un trou qu'on voit ici. La pièce là, elle est beaucoup plus propre que l'autre. Et là, on passe au graissage. La petite rondelle, on va remettre ça à l'intérieur. Ensuite, le petit joint qu'on vient remettre là-dedans. Tac. On va graisser là, un peu partout. Ensuite, ça, ça vient là. Un petit peu le ressort. Ok. Tac. Donc ça, comme ça. L'autre joint torique. Hop, je vais le mettre. Alors, j'ai remis la petite rondelle au fond. Le joint torique, c'est graissé. Ensuite, on vient remettre cette petite soupape qui vient s'appuyer sur la rondelle et faire étanchéité avec le joint torique. Hop! Alors, toujours des outils propres. Et là, on vient remettre le clips. On va voir s'il est bien dedans. Voilà. Un petit peu de graisse ici pour pas qu'il accroche au prochain démontage. Bon, ça y est, j'ai graissé celui-là, celui-là, les clips. C'est bon, le système, ça marche. Là aussi, j'ai graissé le tour là, j'ai graissé le joint directement sur le filtre.
Allez, on y va. Vous êtes témoin, je vais le serrer à la main. Hein. 15 newtons, ils disent. Ça a rien, moi, 15 newtons. On va mettre comme ça, on va dire. Le deuxième. Allez, les écritures en face. Pour faire style. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le joint du moteur. Et on pourra faire les essais, démarrer. Bon, j'ai le copain qui vient de m'appeler là, qui m'a donné les joints toriques, qui m'a donné le régulateur de pression aussi, que j'ai gardé en stock. Il a dit qu'il me ferait une clé à filtre avec un tube et une chaîne de moto. Et là, il vient de m'envoyer un message, il m'a dit « Mon nouvel outil est prêt ». Donc je vais voir, je vais aller le chercher après, je vous montrerai ce qu'il nous a fait. Bon, de toute façon, je les ai éclatés, mais là, j'ai été voir, là, j'avais vu ce système-là, là. L'espèce de pince, avec un cliquet, c'est pas mal, ça. Sauf que ça ouvre à 12,5 et le filtre, il fait 13,5. Donc, bah, c'est mort. Donc, bah, je vais voir ce qu'il m'a fait comme outil pour la prochaine fois, quoi. Bon, regardez, en fait. Putain, je te remercie encore, hein, Jeff, parce que là... Je viens de voir que devant le régulateur de pression, enfin plutôt derrière, on a cette partie-là. Donc, que je viens de démonter. Et c'est pourri. Alors, c'est pourri de graisse, mais pourri aussi, un peu de merde, je crois. Donc, pareil, je vais changer tous les joints toriques. Là, là, il y a une espèce de petit machin là, qui vient ici, normalement. On va essayer de ne pas perdre. Et là, j'ai dit à Marie, avec ses petits doigts, d'aller au fond. Dans le trou, on voit pas grand chose. Regarde ton chiffon. Ouais, c'était quand même dégueu. Hein. Donc on va remettre de la graisse neuve. Allez, déjà je vais emmener le petit, le gros, les trois petits. Et, tiens, et là, ça, on en a un autre ici. Ça, je vais prendre ça avec au cas où. Je vais déjà changer ça et après je démonterai ça. On va faire au fur et à mesure parce que sinon on va être perdu. Regardez, je viens de sortir la pièce. Alors c'est la même qu'il y a de ce côté là, sauf que le fonctionnement est différent parce que le ressort il est ici de l'autre côté. Et là le ressort il est entre les deux. Bon, en tout cas c'est pourri de chez pourri. Là aussi je pars chercher des joints et je remonte ça après. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est joli. Un bel ensemble hein. Voilà, je suis chez Agringoma, il y a de tout. Donc ça, il m'a enlevé le clips, donc il y avait bien un joint ici dans le milieu. Et ensuite ça comprimé avec le clips qu'elle a là. Donc on va changer les deux joints qui sont là. Et après j'ai tout le sachet qu'elle a là. Bon, ça y est, j'ai tout trouvé. Ici il y a tout. Agringoma, franchement, ils sont pétaculars. En plus j'ai vu un pote qui lave les camions, il me dit vas-y je te ramène, t'es venu à pied, il y a plus d'un kilomètre. Et en fait, faut que j'aille chercher la clé que je vous ai dit chez le copain qui m'a fabriqué la clé pour les filtres. Donc je dis bah non, laisse tomber, je vais d'abord chercher un truc chez un pote et je rentrerai à pied. J'aurais pu me faire ramener en voiture, c'est qui ça, je connais, je sais pas. Allez, chercher la clé ici. Ça y est, je suis reparti de chez les copains là, putain, il m'a fait une clé. Alors je vais vous montrer la clé, trop bien. Une chaîne de moto, un tube, il m'a dit tu couperas la taille que tu veux. Et là, je vais avoir la patate pour sortir le filtre. Et en plus, enfin, c'est pas évident à une main, il m'a donné le t-shirt de l'entreprise. Non, franchement, ils sont... Ah, les Argentins, c'est un truc de ouf quand même. Là, quand même, là, faut que je filme parce que il revient de la boutique. Non seulement il a plus le même t-shirt, et en plus, il revient avec un espèce de collet. On sait pas ce que c'est. Eh, ça va nickel, je viens d'essayer là. Enfin, j'ai pas démonté le nouveau filtre hein, parce qu'on a nickel joint. Mais ça va super bien en fait. Bon, ça t'a coûté combien? Gratuit. Argentine. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. Argentine. Le gars il est sympa, il a pris sur son temps perso à midi pour fabriquer ça. Et qu'est-ce qu'il a fait Julien entre temps? Il a tout pété pour sortir ses filtres. Au lieu d'attendre d'avoir le truc là. Et j'ai tous les joints neufs. Oh bah ça c'est bien. Ah oui, mais en plus il m'a redonné un truc. Finalement j'ai pas besoin de sous quand je me barre moi. Je pense qu'il y a un problème en France, ou alors il y a un peu.
Il y a des choses à apprendre ici quand même. Ouais, la solidarité, la gentillesse, c'est impressionnant. C'est assez naturel. Par contre, il y a beaucoup qui nous demandent là avec Milei, les changements et tout. Ouais. Alors, ce qu'on a pu remarquer, I want a Milei, c'est qu'il va y avoir une super inflation. Hyperinflation. Ce soir, je sais pas, mais le gasoil, on l'a vu, il est à 492. Ce soir, il passe à 600. Donc voilà, hyperinflation. Et à cause de ça, bon, c'était déjà quand même un peu le cas avant, on a beaucoup de mal à avoir des prix sur des articles qu'on veut commander. En fait, ils communiquent pas de prix parce qu'ils savent que ça va changer. C'est un peu plus galère qu'avant là. Encore plus galère qu'avant. Ouais. Il y a quasiment pas d'importation, donc il y a plein de choses qu'ils ont pas en Argentine et qu'on peut pas importer pour le moment. Enfin, déjà avant, l'importation c'était compliqué, maintenant c'est encore pire. Donc il va s'écouler certainement un bon laps de temps avant que tout se stabilise, quoi. Ouais, mais à part ça, tout va bien, quoi. Bah les gens, ils continuent à t'offrir des choses, hein. Bon, ça y est, j'ai tout nettoyé, tout graissé. Avec la graisse spéciale, du coup. La petite électrovanne, le joint neuf, tout est bon. Le petit tuyau là de dépression, ça c'est bon. Un petit coup de graisse là-bas et je remonte. Bon, déjà, il y a deux problèmes. Il y en a un que je viens de remonter et j'ai oublié de rajouter cette petite pièce que j'avais mis à part pour pas la perdre. Tu sais qu'on ne voit pas avec ta lampe là dans nos yeux. Et là, un deuxième problème. Amigo, te aviso que tenemos un problemita con el transporte. Il m'avise comme quoi il y a un problème avec le transporteur. No me llegan ahora los repuestos porque tuvo un accidente el transporte. Et le transporteur, il a eu un accident. No sé si chocó o qué pasó, se le rompió el vehículo. Así que van a llegar acá mañana a la mañana. Demain matin. Si Dios quiere, si Dieu le veut, les pièces seront là demain matin à Morteros. Hola, hola, amigo. Bueno, bueno. Bueno, ojalá que la gente tiene nada. Por suerte. Bueno, avísame mañana. Igual un día más. Bon, ça y est, tout est remonté. La partie ici, c'est fait. La partie ici, c'est fait. La partie ici, c'est fait. Ici, on n'y touche pas. La partie ici, c'est fait. La partie ici, c'est fait. La partie ici, c'est fait. Et là, il y avait le petit bouchon que j'enlevais là. C'est ça qui doit faire la dépression, ça doit être l'endroit ici là. Donc j'ai enlevé le bouchon, c'est un peu gras, je vais nettoyer, propre. Et demain, je vais changer le joint en cuivre. Le joint en aluminium, ils en ont ici là, chez Diesel Rema. Il me reste quelque chose ici ou ici, je sais plus, faut que je regarde le plan, mais... celui-là, ça va être galère. Celui-là, je peux le faire parce que là, on est sur un flexible. Donc j'enlève le collier, je peux enlever le tuyau facilement. Mais là, on est sur du rigide tout le long, alors... Si je peux peut-être le tordre vers le haut pour voir ce qu'il y a, mais là je pense qu'on en a changé pas mal. J'ai changé, je dirais, une trentaine de joints, je pense à peu près, dans ces eaux là. Bon, ce matin on a du nouveau, les pièces sont arrivées à Morteros. Par contre, le bus qui part de Morteros pour la Cordoba, il part à 3h du matin et à 16h le soir, et il arrive à Cordoba du coup à 22h, donc c'est mort. Donc du coup on l'envoie par un transporteur et on l'aura demain ici sur Jésus Maria. Donc bah, pendant ce temps là j'ai vu que sur la vue éclatée il y avait quelque chose là dedans. Celui-là je vais pas l'enlever parce que ouais, c'est un tuyau rigide et j'arriverai pas à le manœuvrer. Celui-là ça va parce qu'on part sur un flexible là-bas, donc je peux l'enlever. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien ici, ou alors il y a la même chose dans les deux, mais sur le plan il montre qu'un seul. Donc je vais voir, je vais démonter ça et puis on verra ce qu'il y a. S'il y a des joints à changer, on les change. Bon, il n'y a rien dans ce trou là, donc je suis deg. Je vais essayer de l'enlever, on va voir si je peux essayer de le tordre. Non, parce que il faut que j'arrive à sortir au moins 4 mm du tuyau par là. Alors je peux essayer de faire levier là avec quelque chose sur les filtres là pour essayer de le reculer pour pouvoir sortir le coude. Bon, il n'y aura peut-être rien non plus, hein, ça se trouve. Bon, donc dans celui-là, il n'y a rien. Dans celui-là, il y a ça. Et le ressort est derrière l'espèce de crépine en métal là, ou je sais pas quoi. Et là regardez, il est passé devant, je sais pas si vous voyez, il est là, donc il fait plus pression derrière en fait.
Donc, faut que j'enlève le clips. Il y a un clips qui est là. Bon, je vous reprends après, je regarde ça. Le petit ressort est cassé en fait. Bon, bah, je vais aller voir mon copain s'il a ça. Papa, il est parti aller chercher les joints et c'est à 1 km. Bon, alors là, je suis chez les copains là. Frein, embrayage, camion, poids lourd, ils ont un peu de tout. Hein. Compresseur, dessicateur. Et il m'a trouvé. Alors, ce ressort là, mais il va pas. Par contre, il m'a trouvé celui-là qui est conique. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas en fait. Hein. Je pense que le cône il passe. Mais au pire, ça se rétrécit. Et là, on a le même diamètre. Et la résistance, alors c'est difficile à dire, mais je la sens pareil quoi. Et la longueur est bonne. Donc, ils ont plein de kits de réparation. Et à chaque fois, ils ouvrent les kits pour voir si les ressorts y vont. C'est un truc de fou. Jamais vous verrez ça en France, le mec. Jamais il va ouvrir le sachet et te donner un truc, c'est pas possible. Déjà, j'ai trouvé tous les joints. Donc tous les joints, on va aller graisser. Ok, ça c'est bon. Le deuxième. Alors, est-ce que c'était nécessaire de changer tous les joints? J'ai démonté, je les change. Ça vaut rien, ça peut être que mieux. Ça c'est bon. Et on va partir, je pense, sur le joint conique. Qui est là, qui ressemble le plus. Là j'en ai un paquet là qui pourrait faire l'affaire mais qui me semble un peu plus dur, donc je préfère mettre le conique et au moins il y aura moins de risque que le ressort. En fait l'histoire c'est que le ressort il est passé là dedans dans le trou là et il a dû se péter, que le conique il vient bien appuyer autour en fait, mieux ou pas j'en sais rien, mais en tout cas on va partir là dessus allez, j'ai tout remis et là je mets le clips. Bon bah ça y est, tout est remonté, je pense qu'on n'est pas loin des 30 joints toriques qui ont été changés, un ressort, et tout a été graissé. Maintenant, on attend le joint de Morteros pour pouvoir démarrer et tester. 8h30, qu'est-ce qui vient d'arriver? Les joints de Morteros. Ok, je vais demander ça. Bon, déjà, ça, il s'est planté. C'est pas ça que je voulais, c'est pas grave. Et ceux-là, c'est les descentes. Et voilà, c'est ça le plus important. Je sais pas si je le monte à sec ou pas, je vais voir. Bon, je vais changer les joints de descente. Non, de remontée, pardon. Le joint de descente, je vais le changer aussi vu que j'en ai. On en aura changé du joint. Hein. Mais en fait, on aura fait que ça. Bon, vous inquiétez pas, après, je le baigne dans l'huile. Et ok, ça c'est fait. Ouais, du coup j'ai même le petit déj melon avant d'attaquer la journée. Bon, j'ai huilé les joints et en fait ils se mettent mal. Donc j'ai demandé à Marie qu'elle regarde côté moteur et moi je viens appuyer ici. On est dedans là? Doucement. Alors, je vais tout faire en même temps, filmer, regarder, appuyer. Oh là, mal barré. Non? Bon, j'ai besoin de mes deux mains. Alors, je sais pas si vous voyez, dans le bas, là, il y a un joint qui est vert en bas de la tige. Et en fait, le joint, il se pince un peu. Vas-y, pousse doucement, doucement. Ah, cette fois, c'est bon. Tout à l'heure, en fait, je voyais sur un côté une partie du joint vert qui dépassait et qui voulait pas rentrer. Donc, c'est en bas de cette tige-là, là. Et il y avait celle-là qu'on a rentrée avant, pareil, même problème, le joint s'était pincé. Mais là, ça m'a l'air bon, les deux. On essaye de mettre les 2001, on a réussi à en mettre une. Lâche doucement. Un coup de marteau là-dessus. Pourquoi? Ça se passe bien. Maintenant, les cubes. Et hop, on met l'écrou. Pourquoi tu es encore en train de trifouiller? Parce que maintenant je contrôle la loose des valves là, comme on dit. La lumière des valves, non, je sais pas. Le jeu de soupape. Vu qu'on a mis un joint neuf, on est plus haut. Donc je préfère faire le contrôle. Et effectivement, on est quand même beaucoup plus haut avec le joint neuf. Bon là je vais mettre un petit peu d'huile. J'en ai mis un peu déjà sur les queues de soupape.
histoire que ça lubrifie avant que l'amorçage de la pompe se fasse. Sinon, ça va tourner quelques secondes à sec. Et je pense que c'est pas bon. Maintenant, bien nettoyer, remettre le joint de cache-culbut, le cache-culbut, et on va démarrer. Et je vais vous montrer ma trouvaille. Ah, ma trouvaille, pas vraiment. Heureusement que j'ai appelé l'allemand. Parce que sinon, j'aurais pas recommencé. Regardez les belles boîtes que j'ai achetées. Alors, il n'y a toujours pas de partenariat. Hein. C'est avec, 1000 bouts. Avec mon argent. Elles ont l'air costauds. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elles se clipsent. On a des systèmes de clips là. Chaque boîte de la gamme peut se clipser les unes sur les autres. Hop, ouvrir, mettre ça là. Refermer. Comme ça, j'ai acheté une grande et une demi. Et hop, et là, on peut l'enlever. Elles sont pas mal, hein. En fait, moi, pour tourner le moteur. Tout le monde, j'ai envie de dire, on se prend sur la poulie du milieu. Sauf que sur la poulie du milieu, c'est un peu conique. Pour ceux qui suivent bien les vidéos, vous vous rappelez, j'avais coupé une douille pour essayer d'accéder à l'axe du milieu de la poulie, mais comme c'est conique, ça rentre pas. Donc à chaque fois, je me prends sur les boulons tout autour de la poulie. Donc un coup, je suis là, un autre coup, je suis là, un autre coup, je suis là. En fait, il y a 6 boulons, je crois. Donc faut toujours jouer, il n'y a pas d'espace. Donc, comme on a Jeff qui arrive, je lui ai dit, j'ai appelé l'allemand et je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu peux me vendre l'outil et spray pour tourner le moteur? Parce que c'est casse-couille. Parce que tous les 15 000, on contrôle les culbuteurs. Il me dit, bah, pourquoi tu ne te prends pas sur l'alternateur et tu tournes normal? Bah, je dis, parce qu'il patine l'alternateur. Je dis, je vais réessayer quand même. Parce que tu avais déjà essayé, c'est pas la première fois. Bah en fait t'essayes par là la première fois parce que c'est tellement plus simple de tourner là le moteur. Sauf que les courroies a patiné. Et là j'ai resserré les courroies à Morteros. Donc je me dis vas-y je vais réessayer ce qu'il m'a dit Marcel. Regardez le moteur il tourne. Trop facile. C'est grave, regarde. Non mais sans rire. Dans le cushion Marcel. Bon bah maintenant faut pomper. C'est pour réamorcer quoi? Tout le système. C'est toujours moi qui pompe, je comprends pas pourquoi. Bon, c'est le moment critique. On démarre. Alors, ça y est, on risque pas de démarrer sans clé. Bon, je viens d'arrêter, il n'y a pas de fuite d'air au dissicateur. Maintenant, on verra à l'usure. Bon, bah, quand même efficace, hein, parce que le camion s'est fait. Bon, il me reste à fermer le capot moteur, recharger tous les bidons qui sont là. Et je vous ai même monté toute la vidéo complète de cette semaine de mécanique. La vidéo, elle est prête. Ouais, c'est un truc de fou. Voilà, on quitte Dieselrema. On a passé une petite semaine ici pour ça. On fait le plein de courses et on va aller se poser dans le coin, histoire de voir s'il n'y a pas de fuite, si tout est en ordre. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.